Aujourd'hui, dans le journal de la bande dessinée, nous avons rencontré Antoine Chereau pour son dernier album, Sexiste-moi. A savoir qu'Antoine Chereau a travaillé plus de 30 ans dans les journaux de la presse en France. Antoine Chereau, bonjour. Bonjour, Paul. C'est une grande chance de te revoir en Suisse. C'est gentil. En plus, il fait plutôt doux chez vous et puis on a les coucous à côté de nous. Ah oui. On a dû couper la musique, mais c'est sympa. C'est sympa, vous, oui. On dirait qu'on est dans un vieux chalet. Oui, c'est un peu ça. Très, très étrange. C'est ton septième album, déjà, avec justement Sexisme, moi. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi, le sexisme ? Sexisme est une forme de discrimination particulière qui repose uniquement sur le fait que quelqu'un a un genre. Voilà. Alors, ça peut être féminin, masculin, c'est majoritairement féminin, le sexisme. Mais pour moi, c'est tout à fait comparable à l'antisémitisme et au racisme. Et pour moi, cet album... il est plus bande dessinée que les autres. Mon impression en moi, parce qu'à seul coup, on retrouve un découpage comme une bande dessinée. Alors c'est vrai qu'il y a eu un travail important de... En fait, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, on a séparé l'album en quatre parties. Ouais. Et je suis sûr que tu as remarqué également que je n'abordais pas la violence. Oui, c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que c'est aussi bien du côté féminin que masculin. Oui, mais il n'y a pas la partie dérapage, violence. Non. J'ai pas voulu, c'est un sujet que j'ai pas voulu aborder, c'était vraiment l'idée d'aborder le sexisme ordinaire, du blaireau moyen, qui est même pas forcément mal intentionné, mais qui, très clairement, va avoir des propos sans mesurer du tout l'impact qu'il peut avoir sur la personne à qui il parle, et la lumière s'est éteinte. Oui, c'est magique. Et la lumière s'est rallumée. Voilà, donc c'est la magie de la Suisse, déjà. C'est la magie de la Suisse. C'est exactement ça. Et moi, j'aime beaucoup, il y a des petites phrases qui sortent comme ça, où d'un seul coup, on se retrouve avec plein de mecs, d'un coup, une fille arrive, puis il dit, il n'y a plus de place, vous pouvez carrément vous asseoir sur mes genoux. Ouais, mais je ne pense pas que j'invente grand-chose. Non. Hein, c'est simplement le... Bon, ça, c'est pas très méchant. Non, c'est la vie de tous les jours. C'est lourd, mais oui. Je suppose que s'il fait ça tous les jours, au bout d'un moment, je pense que la nana adorerait le buter. Oui, c'est un peu ça. Voilà, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. C'est pas ce qu'il y a de pire. Mais c'est vrai que ce qui est dingue, c'est qu'on parle en même temps des femmes enceintes, parce que c'est vrai que le sexisme, c'est aussi ça. Ça, c'est terrible. Ouais. C'est terrible, mais en même temps, il y a le clin d'œil où d'un seul coup, il y a la femme qui dit à l'homme, j'espère que vous n'êtes pas enceinte. Oui, alors ça, c'est... Bon, c'est vrai que dans l'album, ce qui me faisait marrer, c'était aussi d'aborder les dérapages. Oui, les dérapages, j'allais dire militants. C'est-à-dire, au bout d'un moment, au nom de défendre les femmes, on tombe dans un excès inverse. Ouais. Alors là, et d'ailleurs, le premier dessin, je ne sais pas si tu t'en souviens, en face de l'édito, de la préface, il y a un dessin où il y a une petite bonne femme qui sort avec, tu sais, assez bourgeoise, avec, elle sort d'un grand restaurant, visiblement. Oui, c'est génial. Ouais. Et il y a le portier qui a ouvert la porte et elle dit, mais cessez une bonne fois pour toutes de m'ouvrir cette porte, ça devient assommant. Oui. Et maintenant, il y a certaines femmes qui réagissent. Moi, j'ai été élevé comme ça, je suppose que toi aussi. Si une personne arrive derrière moi, à la limite que ce soit une femme ou un homme, moi, je laisse la porte ouverte, enfin, je fais en sorte. Et alors, tout particulièrement, si je suis avec ma femme, ça ne me viendrait pas à l'idée de ne pas lui ouvrir la porte. Mm-hmm. Au nom du fait que c'est peut-être pas une petite chose. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'ambiguïté, même si je fais ça avec une cliente à moi, parce qu'on va déjeuner quelque part. Et c'est vrai qu'on a aussi le côté Barbie. Aussi bien la playmate qui va justement trouver une place de travail. C'est le dernier dessin, celui-là. Oui, il y a un dessin qui m'a touché. On voit une super bonne femme, très pulpeuse, et justement, le patron, lui, qui va l'engager, mais ce n'est pas pour ses a priori. Oui, c'est vrai, c'est ça, oui. Enfin, ici, on ne discrimine pas sur le physique. C'est exactement ça, oui. Je trouve que c'est une bombe. Ouais. Mais il y a également le dessin de fin qui conclut avec Barbie et Ken. Les deux stéréotypes absolus crétin... du crétin musclé et de la poupée muette. Oui. Enfin, ils sont tous les deux muets. Et Ken dit à Barbie... Barbie dit à Ken... je suis bien réfléchi, je crois que je vais reprendre des études. Il dit, mais à quoi ça te servira avec le physique que tu as ?
Bon, moi, je l'aime beaucoup. C'est ça, enfin, pour boucler le truc, ouais. Mais j'aime beaucoup aussi où d'un coup il y a une grande assemblée avec des mecs, puis il dit bah attention, il y a Martine qui a une GoPro sur la tête. Oui, alors ça c'est bon, ça c'est réservé vraiment à ceux qui connaissent bien l'entreprise. Oui, oui. Majoritairement, alors là il se trouve que c'est un CA, enfin un conseil d'administration, donc c'est vrai que les femmes sont assez rares. Encore dans les. En tout cas en France, dans les grosses boîtes, c'est encore assez rare. Et c'est vrai que les mecs, quand ils sont en groupe, ils se lâchent. S'il y a une seule nana, ils se lâchent aussi. Oui, oui. S'il y a beaucoup de nanas, il commence à faire attention. Donc mm-hmm. C'est vrai que là, il met en garde tous ses petits camarades, qu'il y en a une qui s'est fixée une GoPro sur la tête et que tout va attention. Être enregistré. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cet humour-là, parce que c'est vrai moi, j'étais vraiment découvert avec l'univers des auteurs, ou de l'auteur en général. Et c'est vrai que là, d'un seul coup, je trouve excellent de travailler sur le sexisme, parce que c'est vrai que c'est la vie de tous les jours, on en parle toujours à la radio, à la télévision, et c'est vrai que d'avoir travaillé un thème comme ça, je trouve ça fabuleux. Écoute, moi, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, mais tu sais que j'avais déjà abordé les discriminations dans L'égalité est un long fleuve tranquille, que dans l'album, encore un petit effort, je parle, mais je ne me suis pas dit, tiens, il faut que je fasse des dessins sur le... En pensant entreprise, j'ai immédiatement pensé à déjà les femmes enceintes. Oui. Ou la nana qui, forcément, comment elle est arrivée à ce poste, ou toutes les injustices qui sont faites, clairement, ou l'inégalité pro. Est-ce que c'était pas dur de faire un album là-dessus? Ou bien c'est facile, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de thèmes différents, tout en restant la même chose, c'est-à-dire que... C'est pas le mot dur, c'est le... On obéit aussi à des contraintes, oui. En termes de pagination et tout. À la limite, j'avais de la matière pour en faire plus, mais je continue à en produire pour un certain nombre de sociétés ou de journaux. Donc, il y aurait de quoi en faire un second sans problème. Et il se trouve qu'au même moment où j'étais en train de le commencer... Un très gros groupe français m'avait appelé pour travailler sur ce sujet. Oui. Donc j'ai dû pondre beaucoup d'idées également. Donc j'étais vraiment en parallèle sur le même sujet, sur deux choses différentes, l'album et ce groupe. Et là, est-ce que tu es déjà en train de travailler sur un nouveau projet sur un... Bah, on me pose la question et je suis très ennuyé. Oui. Parce que j'ai plusieurs projets, mais je n'ai pas encore décidé. D'accord. Voilà, je suis désolé. J'ai honte. Alors nickel. Non, merci beaucoup. Merci Paul. À tout bientôt. Merci beaucoup. I will take you far away.